Il est d'une complexité immense de construire un premier film, qu'il soit simple ou imposant. Un film, c'est avant tout, comme on a pu l'évoquer au travers de 12 hommes en colère, un travail collectif. Celui d'un réalisateur à sa base, celui d'un producteur, en toile de fond en France sur le premier plan aux États-Unis, mais aussi celui de nombreux artisans, cherchant à ne pas simplement donner lieu à un moment de cinéma intéressant ou même bon, mais à ce petit quelque chose de plus qui donnera lieu à une grande aventure dans laquelle on choisira ou non de se laisser embarquer et divertir. Certains auteurs font de ce premier métrage le travail d'une vie, le besoin de reconnaissance le plus total et imaginable, celui qui fera leur carrière, celui qui fera leur parcours de cinéma, celui qui laissera une empreinte unique et indélébile dans un monde qui les passionne, qui les fascine, qui les interroge également quant à ce qu'ils cherchent à mettre en relief ou simplement à nous raconter par le biais d'un propos, d'une toile de fond ou plus directement des personnages qui vont jalonner et parcourir leur récit. Et ici, c'est littéralement le travail de toute une vie que l'on va évoquer. Charles Laughton est un acteur avant d'être un metteur en scène. Un acteur qui a parcouru le monde du cinéma des années 30 jusqu'aux années 60 avant de mourir en 1962 alors qu'il était en plein tournage d'un métrage. Mais dans les années 50, l'acteur âgé de 56 ans a souhaité réaliser un film et a souhaité adapter un roman qui l'avait profondément marqué et dont il souhaitait plus que tout raconter l'histoire de ses enfants, de cette femme et de cet homme dans un contexte particulier avec l'idée de faire un moment de cinéma qui marquerait l'esprit des spectateurs sans je pense avoir la moindre idée de l'impact qu'allait laisser ce long métrage dans l'histoire du 7e art. La Nuit du Chasseur est un grand, immense, impérial et intense moment de cinéma, une œuvre phare de cette période, un film terriblement prenant et novateur dans ses thématiques et dont son choix de structure, en plaçant ce qui est un récit d'épouvante, non d'horreur mais simplement de stupeur, du point de vue d'un enfant cherchant à comprendre les actions d'un noble qui semble foncièrement mauvais mais qui pourtant va se faire passer pour une institution le temps d'un film magistralement mis en scène par Laughton et brillamment mis en relief par un immense acteur, Robert Mitchum. Un film qui a marqué son époque et que vous connaissez forcément tous, même juste de nom. S'il peut sonner comme classique aujourd'hui, ce scénario ne le fut clairement pas à son époque. Adapté du roman de David Grubb, l'écriture de Charles Laughton et James Agee est extrêmement minutieuse, puisque ne cherchant pas forcément à trop en faire avec l'émotion, qui pourrait facilement prendre trop de place à l'écran, mais qui ici devient un élément filigrane d'une construction dramatique, cherchant le plus possible à jouer avec nos attentes de spectateurs, à jouer avec ces instants de flottement où l'on ne parvient pas à cerner si le récit va rester dramatique ou va sombrer vers le tragique. Cette maîtrise de la construction et de l'évolution des personnages, que ce soit celui du révérend Powell ou des enfants John et Pearl, donne une forme atypique à ce récit, une intensité de chaque instant, une minutie dans le développement de l'émotion à l'écran, et surtout, une candeur véritable de cette sensation que le scénario ne se veut jamais moraliste ou provocateur, mais simplement le plus naturel et puissant possible, pour faire en sorte que le point de vue de ces enfants sonne comme nécessaire à l'avancée du récit et que la construction de cet antagoniste, manipulateur et persuadeur de la bonne pensée chrétienne, sonne comme utile à la construction d'un parcours qui va amener une tension constante et qui va bouleverser les acquis du spectateur. Et c'est cela qui fait la grande forme et la grande force de ce récit. Une seule réalisation pour Charles Laughton. Mais quelle réalisation ! Il y a beaucoup d'acteurs qui passent à la mise en scène. Et à l'époque, c'était une chose assez courante de voir des acteurs s'essayer à la réalisation, mais en sachant qu'il s'agit de son seul travail de composition derrière la caméra, avec un film tourné à plusieurs où il jouait en 1949, c'est absolument saisissant de voir à quel point l'auteur américain a su donner énormément de force et de forme à son œuvre pour sonner comme unique, comme forte, et surtout pour sonner comme aussi universelle et profondément moderne. À l'image de ces grands classiques que l'on évoque parfois et qui ont traversé le temps et les époques, La Nuit du Chasseur est le travail d'une vie pour Laughton. C'est un travail qui a profondément marqué le monde du cinéma, qui a laissé une trace particulière dans l'esprit d'Hollywood et qui encore aujourd'hui fascine de nombreux auteurs et acteurs pour la puissante fascination que le cinéaste parvient à créer autour de son antagoniste, devenant l'élément le plus charismatique et le plus intense de sa mise en scène, servant ainsi à la perfection un travail des ombres et de la tension qui habite littéralement chaque vidéogramme de cette œuvre légendaire. Un grand premier et unique. Il n'est pas facile de faire peur sans verser dans l'horreur. C'est une émotion qui demande souvent des artifices un peu brutaux, un peu frontaliers, qui abusent parfois même de certaines imageries que l'on voit un peu trop souvent et qui certes fonctionnent,
mais sonnent rapidement comme identiques ou trop similaires les unes aux autres, perdant ainsi de leur impact et de leur superbe. Lofum choisit d'appuyer une tension, qui passe avant tout par la stupeur des situations, par l'incandescente terreur que le personnage du révérend Powell va appuyer à l'écran, par sa seule présence, le cinéaste choisissant de construire et de développer son imagerie autour de sa seule interprétation, donnant ainsi un regard unidirectionnel à sa réalisation, mais un regard tellement profond et tellement radical que l'on ne peut qu'être fasciné par cette intensité qui est générée en très peu de plans, mais que le cinéaste, à l'image d'un Fritz Lang ou d'un Michael Powell, est capable de retranscrire en peu de plans justement, en jouant énormément sur son acteur, sur des gimmicks, sur des outils de langage et de composition qui donnent une présence particulière à cet anti-héros qui se doit de profondément et frontalement marquer le spectateur pour que la peur ne soit plus un élément de mise en scène, mais simplement quelque chose de présent dans chaque plan de cette œuvre. C'est brillant, terrifiant et tétanisant de maîtrise. Car si l'on connaît ce film, on connaît surtout ses mains et ce visage. Ce visage, c'est celui d'un grand acteur, que l'on a un peu oublié aujourd'hui, mais qui pourtant a clairement autant marqué le cinéma qu'un John Wayne ou qu'un Humphrey Bogart. Pour prendre les exemples de l'époque d'ailleurs. Un acteur qui s'est totalement fondu dans la peau de son personnage, faisant presque oublier les jeunes et brillants acteurs qui partagent l'affiche de ce métrage, mais qui ne sont clairement pas aussi mémorables que la froideur et l'incandescente violence qui habitent l'interprétation de Robert Mitchum. Grand acteur qui avait déjà une belle carrière derrière lui, mais qui ne faisait que monter à cette époque, il apportera au métrage un petit truc en plus. Une intensité, une sensualité, une perversion et une puissance dans le calme qui donne à cet anti-héros une posture et une puissance à l'écran qui marque et qui scotche. Tant on sent que l'acteur a souhaité se plonger corps et âme dans l'interprétation de ce faux repenti, persuadé de porter la parole de Dieu, mais cherchant simplement à servir ses propres desseins, le temps d'un moment de cinéma qu'il rend hypnotique par une présence qui, jusque dans le dernier plan, marque l'esprit du spectateur. Une interprétation de légende à la hauteur de ce film. Classique que j'ai découvert tardivement, mais dont j'ai toujours entendu parler, le film m'a fasciné rapidement quand j'étais jeune, même si je ne l'avais jamais vu, par cette image assez terrifiante et en même temps intrigante de Mitchum accoudé sur un Porsche avec marqué sur ses mains amour et haine. Rien qu'avec cette image, le film a marqué toute une culture populaire et a surtout donné un statut particulier non seulement à son acteur, mais à ce film tout simplement. Ce film que personne n'a vu ou que peu de gens ont réellement vu, mais dont on a tous entendu parler par le biais de son interprète ou de cette image, symbole d'un métrage traversant les âges et les consciences sans forcément s'imposer comme un immanquable. Charles Lofum était un grand acteur, mais avec ce seul et unique moment de réalisation, il est devenu plus légendaire que la meilleure de ses interprétations à l'écran, en délivrant un seul métrage, mais littéralement un chef-d'œuvre, un des grands classiques du cinéma américain que l'on regarde avec une fascination folle, tant on sent qu'il maîtrise chaque détail d'un film aussi glaçant que particulièrement maîtrisé, pour un moment de cinéma que vous devez découvrir absolument si vous n'avez pas encore eu l'occasion de voir cette petite perle de 7e art. Un grand film pour un grand acteur et un grand réalisateur.